Bonjour. Donc, on va commencer notre cours aujourd'hui sur les bases de données hein, avec PHP. Donc, là, c'est ma première fois que je fais ça. Fait que ça se peut que ça aille bien, mais ça se peut qu'il y ait des petits accrochages. Mais bon. Fait que, on est rendu donc dans le cours à utiliser les bases de données avec PHP. Vous avez votre cours de bases de données en même temps donc à cette session-ci. Fait que vous êtes normalement, vous savez de quoi je parle quand je parle de bases de données. Et ça va nous permettre de faire des sites qui vont avoir accès à justement ces données-là. Donc, par exemple, de pouvoir se connecter dans notre compte pour avoir nos informations qui sont stockées dans la BD. Par exemple, de faire un magasin où il va y avoir des produits qu'on va afficher qui vont provenir de la BD, bon, etc. Okay? Donc, le but des bases de données, c'est de, en fait, de donner la possibilité de faire un site que vraiment tout est possible. Fait qu'avec les bases de données qu'on rajoute à notre PHP, on va pouvoir faire pas mal n'importe quel site que vous voyez. C'est sûr que des fois, il y a des petites features. Le fun qu'on n'aura pas tout de suite, qu'on va attendre une prochaine session pour ça, mais ça vous donne vraiment la possibilité de tout faire. C'est un magasin, un blog, à la limite un site bancaire, tu sais, il y a juste le côté sécurité qu'il faudrait peut-être travailler un petit peu plus, mais tu sais, je veux dire, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Fait qu'avec les bases de données, c'est vraiment important de comprendre que c'est toujours le PHP qui va appeler la base de données. Donc, la partie qu'on a déjà vu avant la relâche. Donc, on est sur l'ordinateur du client, donc de l'utilisateur. On rentre quelque chose dans l'URL ou on clique sur un lien. Ça va interroger le serveur pour demander la page web. Si la page web est en PHP, hein, on se souvient que si elle est en HTML, le serveur va juste retourner tout de suite la page. Tandis que si le serveur détecte que c'est une page en PHP parce que l'extension c'est .php, ben il va aller donc la flèche numéro 1 interpréter le PHP. Donc il va commencer à lire le PHP et faire ce qui est écrit dedans. Donc on a vu des commandes, tu sais, il va faire le no if, il va faire nos variables, il va faire je sais pas moi une redirection, tu sais, créer un cookie, donc des choses qu'on a vues, créer des variables de session et il va renvoyer la page avec la flèche numéro 4 au serveur. Si jamais à travers les lignes de PHP, donc dans notre bloc de code en PHP, il y a une demande pour des informations à la BD. Bien là, il va aller demander à MySQL, parce que là, on va utiliser MySQL. C'est ce que je crois que vous utilisez dans votre cas. Vous avez peut-être en Oracle aussi. Ça ne change pas grand-chose, OK? Ça pourrait être n'importe quelle BD. Ça pourrait être une BD Oracle. Là, moi, dans mon écran ici, j'ai marqué MySQL parce que c'est ça qu'on va utiliser en classe. Parce que c'est ça qui vient par défaut là, quand on a installé WAMP au début de la session, là. Donc, WAMP, on se souvient que c'était Windows, Apache, MySQL et PHP. C'est ça les quatre lettres de WAMP. Mais ça ne change vraiment rien. Votre BD est en quoi, en fait? Okay? Fait que si donc, si je reviens à mon PHP, à travers mes lignes de code, par exemple, je marque si telle chose va chercher telle affaire dans la BD. Ah, OK, c'est quelque chose de plus qu'on n'a pas vu. Donc, ça va interrompre le PHP pour aller demander quelque chose à la BD, recevoir la réponse de la BD, donc la flèche numéro 3, recevoir la réponse et ensuite faire quelque chose avec. Donc, une fois que j'ai reçu ma réponse de ma BD, ben, peut-être que je veux afficher ce que je suis allé chercher dans la BD. Par exemple, si je vous parlais tantôt d'une liste de produits que je veux afficher parce que je fais un magasin, ben, je pourrais me faire un select étoile from produit, mettons, tu vas me chercher tous les produits. Puis numéro 3, il me retournerait donc tous les produits. Puis là, ben, ça serait à moi ensuite en PHP de faire peut-être des échos pour afficher tous ces produits-là, mettons. OK? Donc, ça peut être n'importe quelle requête qu'on fait à la BD. Donc, c'est sûr que ça va être beaucoup des selects, comme vous avez appris, mais ça pourrait être aussi de temps en temps un insert pour ajouter. Mettons, je veux m'inscrire sur le site, ben, je vais faire ajouter un enregistrement dans la table des utilisateurs, par exemple, ou des clients. C'est un insert. Si jamais j'ai déménagé, ou ben, je veux changer mon mot de passe ou des choses comme ça, ben, là, ça va être un update que vous avez aussi déjà appris dans le cours de BD. Donc, ça peut être n'importe quelle commande, ça pourrait être un delete aussi, ça arrive juste moins souvent. Mais c'est les commandes que vous avez apprises dans le cours de BD, là. C'est sûr que si vous avez des fois, vous ne vous souvenez plus comment écrire la commande de SQL, ben là, retournez voir dans votre cours de BD, tu sais, qu'est-ce que le prof vous a montré, comment ça s'écrit, puis là, vous allez l'écrire dans votre code en PHP. OK? C'est sûr qu'il y a un gros, gros lien entre les deux cours. Fait qu'il faut que vous ayez vos notes, des fois, de SQL pas trop loin. OK? Fait que ce qui est important là, donc ici, c'est le PHP qui interroge la BD et qui va faire quelque chose avec la réponse. Puis éventuellement, bien, ça va quand même finir par retourner du HTML à mon
clients comme d'habitude, okay? Comme avant qu'on apprenne les BD finalement. Fait que, il y a plusieurs façons de se connecter quand on est en PHP à une BD. Il y a l'extension MySQL, donc c'est vraiment des lignes de code, ça, là, qui existent. Donc, soit on utilise toute la panoplie de fonctions de MySQL, mais ça, c'est dépassé, OK? C'est vraiment, c'est très vieux, puis personne ne fait ça. En tout cas, c'est du mauvais code de faire ça aujourd'hui, OK? Parce que c'est vraiment du vieux code qui n'était pas aussi efficace. Il y a MySQL I. Le I, c'est pour improve, donc améliorer, qui est quand même utilisé aujourd'hui parce que, justement, c'est la version améliorée de MySQL tout court. Fait que ça peut être intéressant. Et nous, ce qu'on va utiliser, c'est PDO. PDO, en fait, c'est que c'est pas obligé, comme je vous disais tantôt, qu'on prenne une base de données MySQL. C'est assez évident, je pense, que dans les deux autres, là, MySQL puis MySQLi, ça le dit, MySQL. Fait que c'est comme on est obligé de prendre MySQL. Tandis que si je prends PDO, je peux prendre MySQL, comme je vais vous faire dans l'exemple. Je peux changer puis prendre Oracle, ça va marcher encore. Je peux changer puis prendre MS Server de Microsoft, ça va marcher encore. Je peux changer puis prendre Postgres, ça va marcher. Tu sais, ça va marcher tout le temps. Donc, c'est ça qu'on va utiliser nous autres. Fait que je vais vous demander de tout votre code, tout le temps, de le faire avec PDO. OK? Là, ben, je vais vous montrer comment est-ce qu'on écrit le code, évidemment, là, pour se connecter avec PDO. Quand on va se connecter avec PDO, on va avoir besoin de fournir quatre informations obligatoires, puis vous allez voir dans les prochaines diapos qu'il y a des informations facultatives. Donc, dans les obligatoires, bien évidemment, il va falloir que je dise c'est sur quel ordinateur, donc quelle adresse IP elle est ma BD, à quel endroit elle est ma BD. Donc, nous, c'est localhost parce qu'on est sur WAMP, sur notre ordinateur, mais ça pourrait être autre chose que localhost si on n'était pas là, dans une situation où ce que tout est sur le même ordinateur. Okay? Et pour toute la session, jusqu'à la fin de la session, ça va être localhost pour le nom de l'autre, ça ne changera jamais. La base, c'est carrément le nom de la base de données. Fait que là, vous avez appris à créer des bases de données là, avec peut-être la commande Create Database. Sinon, vous allez voir, on va le faire graphiquement tantôt. On s'en va dans MySQL, puis on va avec PHP MyAdmin dans notre cas, puis on va se créer une base de données. Puis, ben, quand on va marquer notre ligne de code, on va juste dire ben, à quelle BD je me connecte. Est-ce que je me connecte à ma BD, par exemple, exercice 8, ou bien je me connecte à ma BD, je ne sais pas moi, voiture, comme je vais vous demander dans un exercice, ou à ma BD TP1 ou bon, TP2 plutôt dans ce cas-ci. Fait que, tu sais, c'est vraiment la BD peut s'appeler n'importe comment. Elle pourrait s'appeler produit, elle pourrait s'appeler. Bon, c'est vraiment le nom de votre BD. Puis les tables, ça, sont à l'intérieur de la BD, souvenez-vous. Puis ça, on va faire nos selects plus tard. Okay? Là, c'est vraiment juste le nom de la base de données qu'on indique au début. Puis le login puis le mot de passe pour se connecter à la BD. Fait que ça, c'est pas le login puis le mot de passe, par exemple, d'un utilisateur qui va sur votre site. C'est le login puis le mot de passe de connexion à la base de données. Donc, c'est PHP qui se connecte à la BD MySQL. Fait que c'est PHP, c'est quoi son login puis son mot de passe pour réussir à rentrer dans MySQL. Fait que par défaut, toutes les bases de données ont, là, je vais aller vous montrer là, en basculant ici. Attendez que je me retrouve dans tout ça. Ici. Donc, ici, là, on voit que si je suis sur PHP MyAdmin, en passant, juste pour vous montrer, pour me rendre à PHP MyAdmin, là, quand je suis dans WAMP, je peux juste cliquer sur PHP MyAdmin ici à gauche dans les outils. J'aurais pu aussi, dans ma barre, parce que là, moi, je ne l'ai pas à cause de PowerPoint ici en arrière. Mais dans ma barre, quand je m'en vais dans WAMP, je peux aller directement dans PHP MyAdmin ici aussi. Ça fait la même affaire. Okay? Dans les deux cas, ça rouvre une page qui est sur la page d'accueil de la base de données MySQL. Et le mot, pas le mot de passe, mais l'utilisateur par défaut, l'admin, si on veut, là, qui a accès à tout puis qui a le droit de tout faire, c'est root. Et pas de mot de passe, c'est très sécuritaire. On va reparler de ça plus tard. Là, pour l'instant, c'est le par défaut. Donc, normalement, tout le monde dans la classe devrait être capable de se connecter sur PHP MyAdmin. Il s'agit juste que votre WAMP soit ouvert, évidemment. Puis, vous prenez un des deux chemins que je vous ai montré. Vous allez donc vous ramasser avec cette adresse-là dans l'URL. Vous pouvez l'écrire à la main aussi, mais c'est juste que, bon, c'est un peu plus long. Puis là, ben, je suis rentré avec root comme nom d'utilisateur et pas de mot de passe. Donc, ça veut dire que comme admin, je suis admin présentement, je peux tout faire, puis j'avais même pas de mot de passe. On s'entend que, comme j'ai dit tantôt, là, on va arranger ça plus tard parce que c'est pas sécuritaire, mais pour l'instant, ça fait la job. OK? Ici, si vous regardez à gauche, moi, j'ai beaucoup de bases de données de déjà existantes. Vous autres, vous devriez en voir juste une ou deux, puis ce n'est pas des vrais BD, en fait. Fait que vous ne devez pas les effacer. Vous devriez avoir tout le monde
Information schéma, OK, information schema. Vous devriez tout le monde avoir aussi le performance schema et le test, me semble. Non, MySQL aussi, excusez, MySQL aussi, OK. Donc ça, vous ne touchez pas à ça. Vous touchez vraiment pas à ça. Vous les laissez là. C'est vraiment les données qu'il y a de besoin pour fonctionner. Mais comme vous voyez, moi j'en ai plein d'autres que j'ai faites pour bon, différents exemples dans différents cours. Fait que, nouvelle base de données simplement. Puis là, j'y invente un nom. Fait que, mettons que j'appellerais ça. Exemple pour aujourd'hui, là, le cours, on est, bon, moi, je suis, on va être le 30 mars quand je vais, non, on ne sera pas le 30 mars, en tout cas, peu importe, je vais appeler ça intro BD, OK? Fait que, exemple intro BD, puis là, ben, ça, c'est la langue de la BD, vous pouvez le laisser en suédois, ça va marcher, mais idéalement, là, on va aller mettre ça en UTF-8, là. Fait que si vous descendez dans le bas de la liste, vous allez en UTF-8, puis il y en a plein, plein, plein. Là, prenez celui général. Okay? Fait que UTF-8 général CI. Vous faites créer. Puis ça va venir donc ajouter la base de données ici dans ma liste. Là, ça rafraîchit. Là, si je rafraîchis, là, juste pour qu'on la voit bien. Ah, elle est ici déjà. Fait que exemple underscore intro BD. Okay? Fait que vous voyez que j'avais mis des majuscules en fait juste par habitude, puis ça les a enlevés, là. Donc quand je vais vouloir vraiment me connecter, je vais marquer exemple underscore intro BD écrit comme ça. Okay? Et elle est venue s'ajouter ici. Puis c'est une base de données présentement, si je m'en vais voir, qui n'a aucune table. Donc aucune table n'a été trouvée dans cette base de données. Là, je pourrais me créer une table, par exemple, tiens, disons produit. Donc, la table produit, on va dire qu'elle a quatre colonnes. Sinon, vous pouvez en ajouter. Tout se modifie, là. Si jamais vous vous rendez compte, oh mon Dieu, c'était pas quatre colonnes, c'était cinq ou c'était trois, vous allez tout pouvoir changer ça par la suite. C'est vraiment pas grave. Je ne vous ferai pas un gros cours sur comment utiliser PHP MyAdmin, là, mais c'est très intuitif, là. Puis, vu que ce n'est pas un cours de base de données, on ne veut pas passer trop de temps là-dedans. Vraiment plus comment s'en servir en PHP, mais en gros, là, c'est assez simple. Fait que là, ici, si je voulais pas remplir toutes les quatre lignes, ben j'ai qu'à pas toutes les remplir, puis c'est tout. C'est vraiment pas grave. Fait que, par exemple, j'y vais avec le premier champ, je vais marquer, mettons, un ID, hein, qui pourrait être mon numéro de produit. Je peux l'appeler numéro de produit aussi, ça serait bien correct. Et je vais aller cocher ici là, le AI qui est ici. Regardez quand je laisse ma souris vis-à-vis. Bon, évidemment. Auto-increment. Okay? Fait que vous avez sûrement appris ça dans votre cours de BD. Fait que la clé primaire, souvent, pas tout le temps, mais souvent, on veut qu'elle soit auto-increment. Fait qu'il s'agit juste de cocher, vous dites OK. C'est aller rajouter aussi un index primaire pour indiquer que c'est la clé primaire. Fait que, tu sais, c'est quand même assez. C'est la seule chose particulière. Là, le AI n'est peut-être pas super évident le premier coup. Sans ça, ben, mon produit, ça va être un nom, par exemple. Ça va être un varchar. Je ne sais pas, moi, le nom du produit, peut-être 50 caractères. À part pour la clé primaire, là, occupez vraiment vous juste des trois premières colonnes. OK? Puis souvent, c'est même juste les deux premières colonnes parce que la troisième, on met juste une longueur quand c'est un varchar ou un char. Sinon, là, quand c'est une date, vous faites juste choisir date. Quand c'est un hint, vous faites juste choisir hint. Quand c'est des chiffres, ah, là, vous allez choisir décimal puis vous allez préciser ici. Ah, par exemple, je vais le faire, tiens. Mettons, ici, je pourrais faire la description puis je vais faire le prix, mettons. Fait que la description, c'est un texte et non pas un varchar. Fait que c'est beaucoup plus long. Fait que c'est un paragraphe, mettons. Ça, je ne mets pas de chiffre. OK? Le prix. Je pourrais y aller donc avec décimal. Fait que là, je vais descendre pas trop loin. Ici, décimal. Et là, il faut que je dise combien de chiffres en tout et combien de chiffres après la virgule. Donc, par exemple, si je vends des affaires pas trop chères, mettons jusqu'à, je sais pas moi, 1 000 $ environ. Ben, ça irait jusqu'à 999 et 99 si j'écris 5,2. Donc, 5 pour dire 5 chiffres en tout. Fait que si c'est 999 et 99, c'est 5 chiffres, c'est mon maximum. Et 2 chiffres après la virgule, le 2. Okay? Vous pouvez jouer avec ça, avec le décimal. Sinon, quand c'est des entiers, vous n'avez rien à préciser. Évidemment, là, c'était par défaut sur int, je l'ai laissé là. Vous pouvez jouer avec la grosseur des int. Okay? Mais là, c'est un auto-increment, on ne les touche pas. Okay? Mais si vous savez, par exemple, que ça ne sera jamais, tu sais, comme mettons l'âge de quelqu'un. Ben, non, oubliez ça. On ne stocke jamais l'âge de quelqu'un dans la BD parce que ça change à cause de la date de naissance. On stocke plutôt la date de naissance. Mais en tout cas, vous voyez un petit peu l'idée. Mettons le nombre d'enfants. Je pourrais mettre un très petit int, donc le plus petit que j'ai, le tiny int, parce que je sais bien que personne va avoir plus que 255 enfants. T'sais. Fait que, mettons que c'est ça ma BD, donc un ID qui auto-increment.
un nom du produit, la description du produit, puis son prix. Je vais enregistrer ça. Et ça, c'est ma table, si vous vous souvenez, qui s'appelle produit, qui est dans la base de données qui s'appelle exemple underscore intro BD. Okay? Fait que là, je suis allée assez rapidement parce que je pense que c'est des notions que vous connaissez du cours de base de données, mais je voulais quand même vous montrer une fois créer une table dans PHP MyOnion juste pour que vous puissiez vous débrouiller, mais ce n'est pas le but du cours du tout, du tout. Pour le TP, je vais vous fournir la base de données. Fait que vous allez juste avoir besoin d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, des choses comme ça. Comme là, présentement, la base de données, la table existe, mais si je fais parcourir pour voir, ben, il va me dire qu'il n'y a rien dans la table. Tu sais, c'est un résultat vide, il n'y a rien. On voit ici qu'il y a une liste de rien. Si je fais insérer pour aller ajouter des produits, donc je laisse le ID vide, hein, c'est un auto-increment, fait que je ne touche pas. Je vais aller, par exemple, dire, OK, ben, t-shirt noir, mettons, comme premier produit. Puis là, je pourrais donner une description du t-shirt avec, je ne sais pas moi, un logo sur le devant. Puis là, je pourrais expliquer, blablabla, blablabla, OK, bon. Le prix, mettons, qui coûte 14,99. Je vais juste en faire un deuxième. Vous pouvez mettre juste un produit, là. Le but, là, c'est, si je veux mettre un petit peu de choses dans ma BD, parce que quand je vais vous montrer le code, si je veux vous montrer comment ça marche. Fait que, mettons, deuxième, je sais pas, moi, je vends des bas. Pourquoi pas. J'ai aucune bas blanc. Sport. Bon, pas de blanc avec un... ça. Puis, les bas coûtent 5 piastres. Fait que je fais exécuter. Si je fais l'exécuter et qu'il y avait deux produits dans ma page, il va mettre les deux. S'il n'y avait rien qu'un, il n'aurait rien que mis un. T'sais. Et si je refais parcourir, ben là, je vois maintenant qu'il a fait, j'ai vraiment mes deux produits dans ma table produits. OK? Ça va nous servir tantôt quand je vais faire mon exemple. Fait que là, j'ai quelque chose dans ma table produits. Fait que là, à partir du moment où je vais vouloir faire afficher quelque chose en PHP, ben, ça veut dire que je devrais être capable de faire afficher ces deux produits-là. Okay, c'est sûr que ce n'est pas complet pour une vraie table produit. Dans le TP, vous allez avoir plus que ça à faire. Okay? Fait que si je reviens maintenant ici, on voulait voir comment est-ce qu'on fait pour se connecter à la BD en code. Donc là, en code, ben, comme vous voyez, le code de connexion, évidemment, c'est du PHP. Puis là, ben, je fais la commande new PDO. Fait que là, vous voyez que, OK, ça fait un lien avec votre cours de orienté objet. Fait qu'on crée en fait un objet de la classe PDO et on appelle le constructeur. Hein, new, on appelle le constructeur. Puis dans le constructeur, si j'ouvre la parenthèse ici puis je la ferme là, c'est-à-dire je lui passe trois paramètres. Okay? Trois arguments à mon constructeur. Le premier paramètre contient deux informations. Puis là, il faut vraiment que vous ayez la même syntaxe. Donc, première information, c'est localhost, hein, qu'on disait tantôt, à qui je me connecte. DBName, database name, le nom de la BD. Là, moi, dans mon cas, si je le faisais dans le code, je mettrais exemple underscore intro BD, root, le login et le mot de passe. Donc là, si je prends ça, mettons, on va aller se faire un exemple. Puis je m'en vais le copier, mettons, dans PHP MyAdmin. Non, excusez, dans Visual Studio. Donc, je vais aller me créer un dossier pour un exemple. Fait que, je suis dans WAMP, hein, évidemment, sur mon www. J'appelle ça aussi exemple. Bon, moi, je vais marquer juste un exemple BD, juste pour que ça soit vraiment clair pour tout le monde que ce n'est pas le même nom que la BD. Tu sais, c'est vraiment juste le nom de mon dossier pour mon code. Je vais aller ouvrir Visual Studio Code avec ça, dans le bon dossier. Fait que, il va déjà être prêt à ce que je fasse un nouveau fichier que je pourrais, là, pour l'instant, juste appeler index.php. Oups. Parce que je n'ai pas besoin d'autre chose. Évidemment, je vais avoir toujours mon gabarit HTML5 si j'affiche des choses, qui devrait être le cas. Là. Si je veux me connecter à ma BD, probablement que c'est pour afficher. Puis là, ben, je vais commencer tout de suite avec ma connexion. Okay? Peut-être que j'aurais envie d'afficher des choses avant. Là, tu sais, je sais pas moi, un H1 qui serait, je sais pas, une liste des produits. Okay? Bon, peu importe. L'idée étant qu'à un moment donné, il va falloir que je me connecte si je vais aller les chercher dans ma BD. Fait que, comme on voyait tantôt, là, que j'ai vraiment copié la même affaire, là, évidemment, pour ma diapo, j'avais mis ça sur des lignes différentes. Vous pouvez le laisser sur des lignes différentes, mais vous pouvez aussi tout ramener ça sur la même ligne. Là, c'est vraiment pas grave. D'habitude, quand on appelle un constructeur, souvent, c'est sur une seule ligne. Puis là, je vais aller ajuster un peu. Localhost, ça reste tout le temps comme ça. Ici, c'est pas test, c'est plutôt exemple intro BD. Si je me trompe, ben, il devrait me faire une erreur tout à l'heure dans mon code. Tu sais, quand je vais l'exécuter, il va me dire la BD n'existe pas. Root, c'est bon. Puis, il n'y a pas de mot de passe pour l'instant, par défaut. Okay?
Fait que normalement, si j'essaye ça, quelque chose comme ça devrait me permettre de me connecter. On peut l'essayer, on verra pas grand-chose. Parce que essayer de se connecter sur localhost, c'est rien de visuel, fait qu'on verra pas grand-chose. J'ai appelé ça comme exemple B2. Fait que ça fonctionne, liste des produits, il ne me fait pas d'erreur, ça semble correct. Si j'avais, par exemple, fait une erreur dans le nom de la base de données, ben, il me dit, si on regarde bien, là, tu sais, base, machin, chose, inconnue. Donc, ça me donne une information quand même assez claire que, OK, ben, ma base de données, soit que j'ai oublié de la faire, parce que peut-être que j'ai pas, tu sais, je commence par mon code, mettons, ou soit carrément que j'ai fait une faute de frappe, comme là, OK? Fait que, c'est vraiment, donc, ma connexion est faite, fait que je suppose que sur les lignes qui suivent ici, ben, je vais pouvoir, tu sais, interagir avec la BD, là, tu sais. Interagir avec la BD. Donc, aller soit faire un select de tous les produits, bon, ou aller faire un insert pour en ajouter un autre. Ça dépend de la situation. Mais je devrais pouvoir faire ça juste ici. Si je reviens ici, fait que j'ai fait ma connexion. Par contre, juste pour que ça soit un peu ben, pas pénible, mais il y a des. On a la connexion la plus simple qu'on ne peut pas avoir. On va complexifier un petit peu les choses. Une bonne connexion devrait premièrement être dans un try-catch. Là, je ne vous ai pas en face de moi, fait que je ne peux pas trop savoir si vous avez. Normalement, vous avez peut-être vu ça déjà en programmation. Si ce n'est pas le cas, peut-être juste me le dire, m'envoyer un mio ou quoi que ce soit. Le principe étant que on essaye de se connecter. C'est ça, try, hein? J'essaye de faire la ligne de code qui est ici. Et s'il y a une erreur, il va aller dans le catch. Donc, il m'afficherait dans ce cas-ci le message d'erreur qu'on a vu, mais c'est vraiment donc la bonne façon de faire les choses. Ça permettrait aussi que je mette tout le reste de mon code dans le try, parce que si j'ai réussi à me connecter, je suis capable de faire plein de commandes. Si je n'ai pas réussi, ben, faudrait que j'arrête. Autre chose, il y a des options. Si vous voyez là, ici, là, ce n'est pas tout à fait. Tantôt, j'avais trois paramètres, moi. La première partie qui est la connexion, dans laquelle ici, si on remarque, j'ai rajouté Charset UTF-8 pour préciser, OK, je te donne les informations que tu as besoin, mais je te donne aussi que c'est en UTF-8 que je veux travailler là, dans ma BD. C'est important. Le user, on sait que c'est root. Le mot de passe, c'est vide pour l'instant. Et des options. Fait que ça serait vraiment la bonne façon de faire ma connexion complète avec toutes les informations. Fait que là, ici, on voit que j'ai mis en caractère gras host des databases, pass, user. On voit donc que j'ai créé, je suppose que ces variables-là existent déjà et que je les ai peut-être faites la ligne juste en haut ici, là. OK, j'ai marqué, mettons, pièce host est égal à localhost, DB est égal à exemple, BD, user est égal à root. Si je veux juste pas trop changer mon code pour l'instant, mais quand même faire ça correctement, je vais aller dans mon code ici. Puis avant ma connexion, par contre, là, ça va être important de le faire avant la connexion, je vais aller rajouter ça. Ça veut dire que ici à la fin, je vais aller rajouter les options. Okay? Et tant qu'à faire les choses correctement, ben, je mettrai mon try catch ici, là, t'sais. Donc, ça. Puis je fais. Bon, là, je vais aller copier-coller, ça va être un petit peu moins long. Je vais aller faire ça comme ça. Puis, je devrais avoir sensiblement la même chose. C'est juste que là, je n'ai pas mis des variables. Je vais vous expliquer dans un prochain cours pourquoi c'est plus intéressant de mettre des variables pour les informations ici. Okay? C'est vraiment une question de sécurité et de bonne pratique, mais ça va marcher quand même sinon. Fait que si je rafraîchis ici, ben, je suis comme tantôt, je n'ai pas d'erreur de connexion. Fait que je ne vois rien pour l'instant, mais ça a l'air à bien marcher. Fait que j'ai comme rien changé, mais j'ai amélioré les choses, même si visuellement, il ne se passe rien. Okay? Fait qu'une fois que je suis vraiment bien connecté, là, c'est le temps de faire une requête. Fait que je vais y aller avec ces deux lignes-là. Puis juste vous montrer, là, justement, interagir avec la BD, ben, c'est de dire à la BD qu'est-ce que je veux. Je veux faire un select, je veux faire un insert, un update, un delete, t'sais. Puis là, le select, je l'ai fait super simple. Là, je vais aller chercher dans produit, mais évidemment, vous pouvez faire des where, c'est tout ce que vous avez appris dans votre cours de BD selon le besoin du moment. Là, mettons, je veux juste avoir la liste des produits. Ben, je lui dis, ben, donne-moi tous les produits. Idéalement, probablement que je veux avoir, je ne sais pas moi, juste le nom puis le prix, disons, des produits. Okay? Fait que j'y vais le plus précisément possible, c'est toujours mieux. Hein? Les étoiles, on essaie d'éviter. Et là, ça se fait toujours en deux lignes. Ça, c'est une façon d'éviter les injections SQL. On va en reparler plus tard. Il faut vraiment toujours que vous fassiez ça avec un prepare execute. Vous allez voir là qu'il y a d'autres façons de faire qui existent avec query. Ça, c'est
vraiment pas recommandé. Donc, je veux vraiment que vous utilisiez toujours, toujours le Prepare Execute. Il y a des cas où ça serait correct de prendre le query, mais on va en reparler plus tard. Puis, tant qu'à vous tromper de cas où ce que vous avez le droit, vous pouvez toujours prendre Prepare Execute, puis là, vous êtes sûr que vous êtes toujours correct, toujours sécuritaire. Okay? Fait que ça va faire la requête à la BD. Le prepare, comme ça le dit, ça prépare et le execute, ça l'exécute. Donc, c'est à la suite de la ligne 30 ici que je vais pour de vrai avoir dans réponse la liste de mes produits. Tant que la ligne 30 n'a pas été exécutée, j'ai rien dans réponse. Et à partir donc de la ligne bon, qui suit, j'ai quelque chose dans réponse que je pourrais peut-être aller afficher. Par contre, comme j'ai marqué ici dans le diapo, réponse, c'est quelque chose de non exploitable directement. Il faut, parce qu'en réalité, j'ai reçu plein de produits. Là, je sais qu'il y en a que deux, on les a mis ensemble. J'ai reçu deux produits. Il faut vraiment que j'aille les lire un par un. Produit 1, produit 2. Là, j'ai marqué ligne par ligne dans la diapo. C'est la même chose que par enregistrement, là, okay, si on veut prendre les termes de BD, un enregistrement à la fois. Donc, il faut que je fasse un fetch pour aller chercher une ligne, puis après ça, je vais pouvoir afficher en allant chercher l'information. Donc, je vous montre ça ensemble. Il faut vraiment que vous compreniez que le fetch, c'est lecture d'un enregistrement. Fait que si j'en ai plusieurs, il va falloir que je fasse plusieurs fetch. Comme là, moi, je sais que j'ai gagné deux produits. Je pourrais faire deux fetch. On s'entend que c'est pas de la bonne programmation parce que je ne sais pas normalement combien j'en ai. Fait qu'il faudrait plutôt que je fasse une boucle tant qu'il reste des enregistrements. Okay? On va voir ça après, là, mais. Fait que c'est vraiment là, peut-être par exemple une book while ou une book for avec le nombre d'enregistrements comme limite, parce que j'ai accès, je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Fait qu'on essaye ça. Fait que le fetch, c'est vraiment. Bon, je ne l'ai pas copié-collé. Donc, le fetch, c'est vraiment la lecture de la ligne. Ça ici, là, ça lire un enregistrement. C'est vraiment ça que ça fait. Lire un enregistrement. Ça, je l'ai mis dans une variable qui s'appelle ligne, parce que je suis restée générale dans les diapos. Je pourrais le mettre dans une variable qui s'appelle produit, parce que je sais que je suis allée lire un produit, là. Okay? C'est un enregistrement, là, c'est un produit, c'est la même affaire. Okay? Donc, à partir du moment où j'ai lu l'enregistrement, ben, je peux maintenant sur une ligne suivante, par exemple, faire un écho de produit. Ça va être le produit numéro 1, donc dans notre cas, le T-shirt. Puis, quel champ m'intéresse? Parce que je ne peux pas juste y dire affiche un produit. Je pourrais avec VarDump, qu'on a vu qui était une bonne façon de déboguer, mais ça ne sera pas beau. Fait que quand je fais un écho, éventuellement, en fait, faisons ça cute, je vais faire un beau écho avec, tiens, disons, un paragraphe. Bon, ce n'est peut-être pas la meilleure affaire pour mettre un produit, mais bon, on va dire que pour l'instant, ça va être ça. Fait que je fais donc, par exemple, un écho de un champ en particulier qui m'intéresse de mon produit. Ce que vous mettez dans les crochets ici, là, faut que ce soit le nom d'un champ dans votre BD. Fait que moi, présentement, j'aurais le droit de marquer ID, nom, description, puis prix. C'est tout. Si je m'en souviens pas, je m'en vais retourner voir dans ma BD que je dois avoir mis comme pas trop loin. Puis, je m'en vais vérifier aussi comment je l'ai écrit. Parce que si vous ne l'écrivez pas correctement, ben, il va vous dire que le champ n'existe pas. Tu sais, c'est vraiment important que ça soit écrit pareil. Fait que, bon, ça s'en vient. Je m'en vais dans ici. Excusez, c'est pas très, très rapide. Puis, dans produit, ben là, je peux aller voir ma structure, par exemple, ou bien je pourrais faire parcourir pour les afficher. Dans tous les cas, il faut vraiment que j'écrive mes champs comme ça. OK? Fait que là, j'ai été. Dans mon code, dire, ben, va faire un écho du nom du produit, parce que quand j'ai fait mon fetch, je suis allé lire un produit et j'ai accès à ces 4 champs. Okay? Je vais rafraîchir ça ici, voir si ça s'est bien passé. Je devrais avoir normalement un t-shirt, mais ça n'a pas l'air d'avoir bien fonctionné. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Réponse, fetch. Plutôt bizarre. On va se faire un petit bagage, on va se faire un petit VarDump de produits, juste pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il aurait réussi à aller chercher. Peut-être qu'il n'a pas du tout fonctionné. On va aller voir. Okay, je rafraîchis. Et pourtant, je vais retourner voir dans 2 secondes. Donc, on voit quand même que ça a bien fonctionné. Il est allé chercher mon nom de mon t-shirt, puis il est allé. Ah, puis ça fonctionne. Il vient de m'afficher t-shirt noir. OK, weird. J'ai peut-être juste mal rafraîchi le coup d'avant. Puis le prix, fait que ça, c'est mon VarDump. OK, tout ce qui est en bleu présentement, c'est mon VarDump. Et ça, c'est mon Echo.
Donc, si je retourne, mettons, mettre le Wardrobe en commentaire, je reviens, je devrais conserver le t-shirt noir. Fait que je ne sais pas ce que j'ai fait il y a 2 secondes. Peut-être juste mal sauvegarder mon affaire ici. Ou, ouais, ça doit être ça, je ne devais pas avoir sauvegardé. Ou bien, je n'ai pas rafraîchi, mais je suis pas mal sûre d'avoir rafraîchi. Fait que j'ai donc mon premier chandail. Si je voulais avoir le deuxième, ben c'est sûr que je pourrais faire, mettons, OK, mais là, on s'entend hyper poche, là, OK? Refaire un fetch, aller du suivant, refaire un affichage. Là, ça me permettrait d'avoir à la fois mon t-shirt noir et mes bas. Mais ça, je vous le dis tout de suite, je ne veux pas avoir ça jamais, jamais dans votre code, OK? Parce que ce n'est pas vrai que vous savez combien de fetch vous allez avoir à faire. Il peut y en avoir zéro dans votre BD, il peut y en avoir 200. Vous ne m'écrirez pas du code un par un, là, ça va dans là. OK? Si je reviens ici, donc on a vu comment aller lire un enregistrement, comment aller chercher une information en particulier. Là, moi, j'ai mis un écho parce que je voulais l'afficher. Et je peux donc me servir de différentes choses. Comme ici, si vous regardez en bas de la page, j'ai marqué que je peux aller chercher un row count. Ça va me donner le nombre de lignes. Donc, dans mon cas, le nombre de produits. Fait que là, ben, si je reçois le nombre de produits, ben, je vais pouvoir faire une book for, t'sais, puis boucler jusqu'à temps que j'ai des produits. Sinon, là, je vais en parler plus tard. Sinon, vous pouvez faire une book while et c'est tout à fait possible de faire, par exemple, vous allez trouver ça un peu bizarre, mais je vais le coder en dessous, je vais aller mettre ça en commentaire. On va enlever le Vardump, on n'a plus besoin. Ben, hop, je vais garder ça. Je vais juste vous montrer à la place. Donc, je fais ma book while et en fait, ce que je veux, c'est afficher tant et aussi longtemps. Voyons. Okay. Tant et aussi longtemps qu'il y a des produits et on peut simplement mettre ça ici dans la condition. Fait que c'est un peu spécial parce que ça fait deux choses. Ça fait le fetch, ça met l'information dans le produit et si il n'y a plus rien, ça retourne false. Fait que c'est comme un deux dans un, c'est un peu spécial comme boucle, je vous l'accorde. Mais ça va me permettre avec cette boucle-là d'afficher, si je reviens ici, les deux informations. Fait que je vois pas de différence avec tantôt, mais par contre, j'ai fait un code correct. J'ai pas répété mon fetch plein de fois. Puis là, mais je l'ai pas marqué pour l'instant, mais c'est plus loin dans les diapos. Je vais aller tout de suite vous montrer comment est-ce qu'on fait. C'est ici. Donc, la fin de la connexion, super important. Donc, je vais faire réponse, flèche, close, curseur. Oups. Ça veut dire que j'ai terminé, hein, avec ma réponse. Ma réponse qui était, dans ce cas-ci, la liste de mes produits. Fait que ça veut dire simplement, j'ai terminé avec les produits. Par exemple, je les ai affichés ou peu importe. Je peux passer à autre chose. Je pourrais refaire une autre requête ici sur autre chose. Aller faire un insert ou un autre select ou peu importe. Une fois que j'ai fermé, je peux continuer et il n'y a pas de problème. Fait que vous pouvez, dans la même page, faire plusieurs choses avant de décider de complètement fermer la connexion. Et quand vous avez vraiment terminé, je vais prendre ma connexion. J'avais pris mon objet connexion ici, il s'appelait con, C-O-N-N pour connexion. Remarquez que c'est ça que j'ai utilisé ici quand j'ai fait mon prepare. Et je peux aller donc le mettre égal à nul. Ça fait vraiment genre fermer la connexion. Fait que si j'ai fait ça, je ne peux plus faire de prepare execute pour demander d'autres choses à la BD. Là, c'est vraiment genre j'ai coupé, j'ai fermé la BD. Okay? Visuellement, ça fera rien. On ne le voit pas, mais on a complètement fermer les choses correctement et on n'aura pas de problème plus tard dans notre code. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des problèmes. Évidemment, c'est une bonne pratique aussi de toujours, quand on ouvre quelque chose, de le fermer. Fait que je vous demande de toujours le faire. OK? Puis je vais vous pénaliser si vous ne le faites pas. Fait que, on a ça ici pour l'instant. Je vais revenir sur ça plus tard. OK? Donc, on a vu pas mal toutes les diapos, sauf, je vous ai fait un résumé ici vers la fin des diapos. Le insert, le modifier, supprimer aussi. Puis je vous ai marqué une diapo à ne pas faire. Là, quand je vous disais là, je veux toujours que vous faites un prepare, que vous fassiez, excusez-moi, un prepare execute. Je veux jamais que vous fassiez un query. C'est parce qu'il y a des queries comme ça ici là, qui sont mal. Fait que je vais en reparler plus tard. Là, pour l'instant, là, je veux vraiment juste que vous commenciez à juste voir si vous êtes capable de connecter à BD, faire afficher des choses. Puis on va revenir sur les diapos là, comme 11, 13, 14, 15 là, au prochain cours. Okay? Là, je veux vraiment juste soyez capable de faire afficher des choses, jouer un peu, faites des wares si vous voulez, tu sais, amusez-vous. C'est vraiment le principe là, de être capable de se connecter à la BD, lire ce qu'il y a dedans, fait qu'on fait juste des selects. Puis, en fait, j'ai dit faites des wares, mauvaise idée. Ben, à moins que vous décidiez vraiment, là, vous pouvez faire un where avec quelque chose
qui est permanent dans le sens, si je marquais ici, je ne sais pas moi, where le prix est plus petit que 20. T'sais, vous pouvez le faire comme ça, il n'y a pas de problème, mais pas quelque chose qui est un paramètre, on va en reparler au prochain cours pour les faire correctement. Et fait que dès qu'il y a quelque chose, une variable qui viendrait d'un formulaire de recherche, par exemple, ça, c'est toutes les choses qu'on va aborder au prochain cours. Fait que ça fait pas mal le tour. Évidemment, je vous mets un exercice pour essayer ça de votre côté, puis je vais être disponible pour répondre à vos questions. Fait que vous pouvez me questionner sur n'importe quel bug que vous allez avoir. Fait que, essayez ça, puis on s'en reparle bientôt. Merci, bye!